Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver comme ça en face à face. Cela faisait longtemps puisqu'on a eu la petite trêve estivale cet été. Vous avez sans doute vu notre vidéo qui récapitulait toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer cet été. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici. Et ça y est, c'est la rentrée, on attaque en attendant le The Last of Us Day qui, on l'espère, s'annoncera riche en surprises. On va parler d'une belle interview d'Evan Wells et Neil Druckmann, les deux co-présidents de Naughty Dog, qui ont été accordés à Game Informer. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo cette interview qui a été retranscrite par notre rédactrice en chef Aurélie, qui a fait un travail fantastique, donc n'hésitez pas à aller voir l'article. Et moi, je vais vous en parler en vidéo pour revenir sur là-dessus et les différentes choses qui ont été abordées, comme la question du crunch, la question des retours bons et mauvais de The Last of Us Partie 2, l'avenir des jeux Naughty Dog, vers quoi on va se diriger, si on va rester sur les jeux solo ou passer sur des jeux de service, si Naughty Dog va changer de nom, ça a été évoqué, plein de choses autour d'une interview passionnante, et du coup, c'est parti, on attaque directement. Donc, une interview qui a été faite cette semaine, en début de semaine, donc avec Evan Wells et Neil Druckmann. Et cela a commencé par parler de la chronologie du studio. Vous savez que Naughty Dog a été créé en 1984 par Andy Gavin et Jason Rubin sous le nom de Gem Software. En 1986, en septembre 86, ils sont devenus Naughty Dog. Ils étaient totalement indépendants jusqu'en 2001, où ils se sont fait racheter par Sony Interactive Entertainment. Et ils font partie maintenant des PlayStation Studio. C'est un studio qui a énormément évolué puisqu'ils se sont fait connaître en 1996, surtout avec Crash Bandicoot. Et depuis, le studio n'a cessé d'évoluer. On a eu 4 opus de Crash Bandicoot avec Crash 1, Crash 2, Crash 3 et CTR. Puis nous sommes passés sur Jak and Dexter, qui était aussi un jeu de plateforme un peu plus mature, avec là encore 4 opus, Jak and Dexter, Jak 2, Jak 3 et donc Jak X. Puis on est arrivé en 2007 avec Uncharted, où là on était encore sur de la plateforme de l'action, mais on était encore un peu plus sérieux. Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3 en 2011, et en 2013 c'est le bouleversement avec The Last of Us, où là on est vraiment dans le jeu mature, le jeu qui change complètement d'univers. Et même en 2016 avec Uncharted 4, on se rendait compte que ça tranchait avec les 3 premiers Uncharted, que c'était un peu plus sombre, un peu plus sérieux, et The Last of Us Partie 2 a enfoncé le clou. Donc c'est un studio qui a mûri au fil des années, au point où on se demande si finalement ils vont continuer à mûrir de plus en plus, et que les jeux un peu plus légers comme Crash et Jak and Dexter, est-ce que c'est terminé? Selon Evan Wells, non. Naughty Dog s'autorise, ça va dépendre vraiment du temps, parce qu'ils sont conscients qu'il manque de temps, malgré qu'ils aient de gros effectifs, mais ils ne s'interdisent pas de revenir vers des jeux plus légers. Et à ce compte-là, Neil Druckmann nous indique, et je vais le citer, « Nous nous demandons ce qui nous enthousiasme, qu'est-ce qui va nous mettre au défi et nous inciter à pousser le médium aussi loin que possible dans les jeux. Parce que cette inspiration est très importante pour traverser des années de production. Naughty Dog ne s'interdit donc pas de revenir à d'anciennes licences. D'ailleurs, vous savez que pendant quelques mois, Jak 4 a été en développement. C'était en 2012, fin 2011, début 2012, pendant le développement de The Last of Us, le premier The Last of Us, avant d'être annulé malheureusement. Mais il y a quelques temps, Evan Wells, justement, au micro d'un podcast, avait annoncé qu'il recevait beaucoup chez Naughty Dog de demandes de la part des fans d'un nouveau Jak and Dexter, et que même si pour le moment rien n'était en projet, il ne se l'interdisait pas. Donc est-ce que Jak va finir par revenir? En tout cas, la porte n'est pas fermée. On continue maintenant avec la deuxième partie de l'interview qui s'est concentrée sur vraiment la réputation de Naughty Dog, qui aujourd'hui a la réputation d'être l'un des meilleurs studios au monde, l'un des meilleurs studios, si ce n'est le meilleur studio de PlayStation. Et du coup, Evan Wells est plutôt, on va dire, est plutôt modeste en disant que eux, ils essayent, quoi qu'il arrive, de faire le meilleur travail et qu'ils n'essaient pas d'être non plus les meilleurs au monde. Là où Neil Druckmann est un peu plus tintillant en disant qu'ils ont une réputation et qui veulent garder cette réputation, et que c'est pour ça que justement ils essaient de travailler très dur. Et là encore, je vais citer Neil Druckmann qui annonce, pour reprendre les mots d'un autre,
Notre marque est l'excellence. Les gens viennent chez Naughty Dog pour atteindre l'excellence. Alors, nous mettons la pression pour être à la hauteur des attentes. Evan Wells enchaîne en disant que vraiment l'objectif de Naughty Dog est surtout de créer des jeux amusants, des jeux beaux, des jeux incroyables. Et autant Neil Druckmann que Evan Wells insistent sur le fait que PlayStation a réussi à créer une synergie entre les studios où chacun est un peu admiratif des autres. Evan Wells par exemple a une grande admiration envers Insomniac Games, c'est ce qu'ils ont fait sur le dernier Ratchet & Clank Rift Apart, là où Neil Druckmann parlait, si je dis pas de bêtises, de Sucker Punch avec ce qu'ils ont fait sur Ghost of Tsushima. Ils expliquaient que d'ailleurs Sucker Punch a beaucoup aidé au développement de The Last of Us Partie 2 pour la modélisation de Seattle, puisque Infamous Second Son se déroulait à Seattle. Et Naughty Dog les a aussi beaucoup aidés, enfin ils ont tous les deux beaucoup aidé les deux studios sur par exemple les mouvements des chevaux dans The Last of Us et dans Ghost of Tsushima. Donc il y a vraiment une synergie entre les studios qui s'entendent bien, qui s'entraident, et ça c'est quelque chose à mon avis qui est une grande force chez les PlayStation Studios. Vient ensuite le moment fatidique, le moment qui pique, puisque l'on parle des démons du passé de Naughty Dog et la question du crunch. La première question qui a été posée, c'est la question de la syndicalisation des développeurs de jeux vidéo. Une question à laquelle Evan Wells n'est pas très enclin à partir dans ce système, puisque selon lui, c'est vraiment compliqué de pouvoir mettre cela en place, qu'il n'aimerait pas que certaines puissent se sentir menottées, il n'aimerait pas en fait pouvoir empêcher certains de vouloir travailler dur. C'est très compliqué selon lui de vraiment mettre en place un genre de système de syndicalisation dans le jeu vidéo. Pour Druckmann, cette question-là est assez complexe, même au niveau de la syndicalisation, mais aussi du crunch en lui-même, puisque c'est très compliqué de caractériser qu'est-ce que vraiment le crunch. Pour lui, il pense que chacun a des besoins et des nécessités différentes, et c'est ça qui est très compliqué au sein de gros studios, de pouvoir en fait correspondre à tout le monde. Et là, je vais citer Neil Druckmann qui nous explique que chez Naughty Dog, pour lutter contre le crunch, ils sont en train de mettre des choses en place, en fait, pas justement pour lutter vraiment contre le crunch, mais pour lutter contre les problèmes de conditions de travail et lutter pour que tout le monde se sente bien au studio. Neil Druckmann nous annonce donc que pour lutter contre ce crunch chez Naughty Dog, il veille au bien-être de nos collègues et de tous ceux qui travaillent chez Naughty Dog. Ce qui est une combinaison du nombre d'heures de travail et du stress ressenti, que ce soit au bureau ou à la maison. Bien entendu, depuis la sortie de The Last of Us Partie 2 l'année dernière, on vous en a beaucoup parlé, on avait fait un gros dossier sur les problèmes de crunch avec quelques informations exclusives. Vous pouvez retrouver le gros dossier dans la description de la vidéo. C'était un dossier qu'on avait fait en mars ou avril, donc avant la sortie de The Last of Us Partie 2. Et après la sortie du jeu, on avait parlé des changements qui avaient été opérés depuis justement le mois de juin et la sortie de The Last of Us Partie 2. Beaucoup de choses ont été mises en place et Evan Wells explique qu'après chaque développement de jeu, il y a de grosses réunions qui sont mises en place pour faire des bilans du développement avec toutes les choses qui se sont bien passées, toutes les choses qui se sont mal passées, les choses qu'il va falloir évoluer, les choses qu'il va falloir éviter à l'avenir. Evan Wells explique d'ailleurs, et je vais le citer, nous regardons comment nous pouvons trouver le juste équilibre entre la possibilité de donner aux gens l'opportunité de laisser leur marque sur l'industrie et de faire progresser leur art d'une manière qui n'a jamais été atteinte, mais aussi de trouver un espace dans ce domaine. Neil Druckmann confirme et va même aller plus loin en expliquant toutes les choses qui ont été mises en place depuis le développement de The Last of Us Partie 2. Il rappelle que des groupes de travail ont été créés pour que chacun puisse en fait dire les nécessités, les choses qu'ils auraient besoin de mettre en place pour mieux travailler chez eux et être plus tranquille aussi au studio, chez eux, etc. Il y a eu des coachs qui ont été recrutés pour former les managers, pour former les directeurs en fait de chaque partie du studio. Parce qu'il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'une personne, par exemple comme Neil Druckmann, qui était à la base développeur de jeux vidéo et qui a pris du grade et qui est monté de l'échelon, son métier de base, c'est développeur. Ce n'est pas manager, ce n'est pas tout ça. Gérer une équipe, c'est peut-être pas la chose la plus simple pour une personne comme ça. Donc, ils ont pris des managers pour pouvoir un peu, on va dire, former tous les directeurs de différentes factions chez Naughty Dog pour pouvoir être plus à l'écoute des équipes, pour pouvoir mieux comprendre les équipes et pouvoir répondre au mieux à leurs attentes.
Neil Druckmann enchaîne en disant que l'un des gros problèmes aussi, c'est qu'au sein de Naughty Dog, il y a énormément de diversité et que là encore, tout le monde a des besoins et des nécessités différentes, qu'il est très très compliqué de pouvoir en fait correspondre à tout le monde. Et pour cela, il explique, et je le cite, « Quand vous essayez d'avoir une solution miracle, une solution unique, vous laissez toujours quelqu'un derrière. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut des solutions multiples. C'est pourquoi le studio Naughty Dog met en place ces groupes de travaux pour pouvoir en fait prendre plusieurs personnes à part pour pouvoir échanger et mettre tout en commun les besoins de chacun et mettre en place le maximum d'initiatives pour pouvoir correspondre au plus grand nombre pour créer un espace de travail beaucoup plus sain chez Naughty Dog. Après cette période un peu et cette partie un peu on va dire autour des mauvaises choses, eh ben on parle d'avenir, d'espoir et notamment l'avenir des jeux Naughty Dog puisque Reeves, qui est donc le journaliste qui a interviewé Neil Druckmann et Evan Wells, leur demande un peu maintenant à l'heure où il y a de plus en plus de jeux de service à la Fortnite, à la Call of Duty Warzone, des jeux un peu free-to-play, mais maintenant eFootball PES 2022, non sans PES, il n'y a plus PES, eFootball 2022, des jeux gratuits à service avec beaucoup de contenu gratuit mais beaucoup de contenu payant, tout ça arrive vraiment à la mode. Est-ce que Naughty Dog finalement va se diriger vers cette option ou est-ce qu'ils vont garder l'ADN de leur jeu? Neil Druckmann enchaîne tout de suite en disant que Sony leur laisse totalement la carte blanche, ils ont une liberté totale, ils n'ont jamais reçu une seule pression de la part de Sony pour créer un jeu ou quoi que ce soit, même pour le développement et la campagne promotionnelle de The Last of Us Partie 2 qui parfois était un petit peu compliqué, on va dire, hein, quand on a eu le trailer de la Paris Games Week, le trailer de la torture, etc. Sony serrait un peu les fesses, mais ils ont toujours laissé Naughty Dog mener leur barque et ils ont toujours eu le soutien de PlayStation. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et du coup, Evan Wells enchaîne en disant que c'est pour ça qu'ils n'abandonneront jamais les jeux solo. C'est ce qui a fait l'histoire, la réputation de Naughty Dog, c'est dans ça qu'ils sont les meilleurs, c'est dans ça qu'ils prennent le plus de plaisir et ils continueront sur cette voie-là. Les deux coprésidents annoncent qu'il y aura de nouvelles licences à venir et ça c'est une très bonne licence. Alors malheureusement ils ne disent pas ce qu'est-ce que cela va concerner, quels thèmes seront ces nouvelles licences ni quand elles vont arriver, mais Neil Druckmann annonce aussi qu'il sait que les fans sont très attachés à The Last of Us et à Uncharted et c'est pourquoi Naughty Dog ne va pas arrêter ces licences-là. Et ça c'est très important puisqu'il y a quelques temps justement ils avaient annoncé que c'était terminé pour Uncharted et donc là visiblement retour en arrière, ils vont continuer. Alors est-ce que ils vont jouer sur les mots en disant que l'arc narratif de Nathan Drake est terminé et qu'il pourrait avoir un autre Uncharted avec de nouveaux personnages un peu comme The Last Legacy, pourquoi pas? On ne sait pas, mais en tout cas, Uncharted chez Naughty Dog, ce n'est pas terminé. Et ça, bon, on va pas se mentir, c'est quand même une bonne nouvelle. L'interview se poursuit avec eh ben, les retours complètement dithyrambiques autour de The Last of Us Partie 2, qui est à ce jour le jeu le plus récompensé de l'histoire, avec plus de 300 titres du jeu de l'année. Alors, Reeves a demandé à Naughty Dog, alors qu'à Evan Wells et à Neil Druckmann, qu'est-ce qui était leur ressenti et la fierté qu'ils pouvaient ressentir, malgré que le jeu a subi aussi énormément de critiques et de messages violents à son encontre pour les termes abordés. Et Neil Druckmann explique que justement c'était une période compliquée mais qu'ils ont eu aussi énormément de soutien, de messages d'encouragement, de messages vraiment incroyables. Et du coup le mieux c'est que je le cite pour qu'il explique vraiment tout ce qu'ils ont pu ressentir. Il y a personne, Kevin et moi, ne voulons rendre plus fiers que tous ceux qui travaillent sur le jeu parce qu'ils s'y mettent tellement d'eux-mêmes dans le jeu. Ils sont si enthousiastes et si passionnés par ce qu'ils font. Ce sont les gens que je veux rendre fiers plus que toute autre chose. Je dirais que les plus grands fans et les plus grandes critiques sont au sein de Naughty Dog et c'est ce qui nous permet de rester aussi bons que nous le sommes. Donc beaucoup de messages d'encouragement des fans, des joueurs, mais aussi au sein de Naughty Dog et ça c'est la priorité de Neil Druckmann et Evan Wells. Enfin, pour conclure cette interview, Evan Wells et Neil Druckmann confirment que Naughty Dog fait partie maintenant des studios historiques du jeu vidéo qui fêtera en 2024 ses 40 ans. C'est quand même assez incroyable. Et que du coup, ils ne sont pas prêts de vouloir vraiment arrêter ce qu'ils font. Le journaliste a un peu taquiné en savant pour savoir s'ils allaient changer le nom du studio et jamais ça n'arrivera. Ils veulent faire perdurer l'héritage de Andy Gavin et Jason Rubin et garder ce nom qui est maintenant propre au studio. Et donc on espère eh ben, avoir de nouvelles choses très bientôt. C'est une interview je trouve qui est vraiment
sympa. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment intéressante. Si vous ne parlez pas anglais, elle a été, comme je vous l'ai dit, retranscrite par Aurélie sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et en tout cas, on a vraiment hâte de voir les prochains projets Naughty Dog. Peut-être dès la semaine prochaine, le 9 septembre, la conférence PlayStation avec une petite annonce, pourquoi pas, de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Mais aussi l'annonce du stand-alone, le multijoueur de The Last of Us en stand-alone. Ça y est, c'est officiel. Naughty Dog a annoncé qu'il travaillait sur un premier stand-alone multijoueur, etc. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent arriver avec le Last of Us Day. Et comme à chaque fois, vous allez pouvoir compter sur nous pour vous tenir informés en temps et en heure. C'est pour cela qu'on va se quitter ici. N'oubliez pas de mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous!